Ariel Chenet a garant Pancho le gâté. Il y a des informations qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux comme quoi Desbordeaux est en dépression. Voilà, donc il est venu maintenant dire c'est gbé hein, à Pancho. Écoutez-le. Pancho le gâté, bonjour. Si tu veux donner conseil à Desbordeaux, il faut lui donner conseil direct. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas docteur ou bien tu n'es pas psychiatrique ou bien je ne sais pas quoi là. Tu n'es pas psychiatre. Psychiatre. Voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà. Tu n'es pas psychiatre. Détecter si un individu est en dépression ou pas. Je t'en prie, faut m'arrêter ça. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à soutenir cette thèse-là. Quelqu'un qui est en dépression ne chante pas pendant toute une année. Près de 5 sons, il a fait sortir en 2023. Et quand il a fait Fitter Didi B. Ils ont tous dansé ici, ils étaient contents. C'est aujourd'hui qu'il est en dépression. Il faut arrêter ça. Tu ne sais pas ce qui se passe, donc il faut arrêter ça. Si tu veux parler à Desbordeaux, il te répète, va chez lui. Voilà. À lui dit, allez vers. Allez-y leur annoncer. Il n'a pas intéressé à vos positions. Et puis vous allez lancer les paroles. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. T'es un frère, si tu parles à ton vieux mort, va vers lui. Et puis ton affaire de dépression là. Soit tu nous expliques quel acte de dépression il a posé, ou bien si tu dis qu'il est devenu fou, il faut nous montrer quel acte de folie il a posé. Qu'est-ce qu'il voulait te dire, hein? Ensemble. Ah, Pancho, Pancho, mon frère sang. Asso, faut te lever, tu vas aller chez lui, tu vois, il va, vous allez comment, hein, et puis il va t'expliquer Rambala. Là, tu apprendras, tu vas comprendre. Enfin, tu n'es pas la seule personne sur les réseaux à dire qu'il est en train de faire dépression. Ça est en train de prendre les réseaux sociaux, dépression de Desbordeaux. Maintenant, voilà Ariel Chenet, apparemment, il est proche de Desbordeaux. Il connaît dans quel Rambala Desbordeaux il est à l'heure là. Donc, faut te lever. Tu vas prendre ta voiture, ou bien tu vas prendre ton taxi, ou bien ta moto, ou bien ton baka, ou bien, je ne sais pas, tu vas te déplacer pour aller chez lui. Et puis tu vas lui dire maintenant, vous allez comment? Voilà, et puis mon rôle va t'expliquer maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Les réseaux sociaux, là, ça va tellement vite que parfois même ça peut gâter même le nom de quelqu'un cadeau pour rien. Dia, c'est pas ça. C'est l'autre là qui est ça. Parce que ce qui est ça là, tu ne connais pas. Faut te lever, tu vas te déplacer, tu vas aller chez lui et puis il va t'expliquer, tu vas comprendre. Voilà. Mais j'ai dit que Desbordeaux, frère sang, faut maintenant te mettre à parler. Hein? Faut nous comment? Tu vas expliquer dans quel ramba ou bien qu'est-ce qui est serré. Nous, on va desserrer ça pour toi. Ou bien, Asso, faut te lever, lève-toi, tu vas chanter. Nous, on te connaît dans la chanson. Faut te lever, tu vas faire chanson, on va danser. On va te donner la force même. Faut te lever. Desbordeaux, Tu n'es pas un petit, tu es un chinois. Faut te lever, tu vas faire ce qu'il y a à faire là. Faut faire ton bara, faut chanter. Hein? Faire des sons qui vont cartonner. Nous aussi, on va mettre dessus encore. Ou bien, tu connais. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, courage à toi. Faut te lever, tu vas chanter chanson là. Nous, on va se lever pour danser. On va partager. Nous, c'est toi, on attend. Hein? C'est toi, on attend, Desbordeaux. Faut te lever. Le son est bon? Au revoir.